La cuvée 100% Marsan du domaine Chaise, millésime 2020, c'est tout jeune, mais ça se goûte déjà très très bien. Donc la Marsan est rarement vinifiée seule, parce que c'est un cépage qui est un petit peu capricieux, qui n'a pas une aromatique extraordinaire en temps normal, donc il faut vraiment bien bien maîtriser la maturité et la vinification et l'élevage derrière pour en faire une belle cuvée en monocépage. Donc ici c'est le cas bien sûr, sinon nous ne l'aurions pas présenté. Donc pour la situation géographique, on vient ici mettre les pieds dans le nord de la vallée du Rhône, hein. On est sur l'appellation vin de pays des collines rhodaniennes, 100% Marsanne, sur des sols granitiques, avec un élevage en fût de chêne neuf pendant 9 mois. Alors au niveau de la robe, une robe extraordinaire, or. Donc c'est vraiment vieil or, brillante, belle viscosité. Au niveau du nez, assez extraordinaire, sur des arômes de cire, sur des arômes un petit peu de poire. Alors comme c'est un 2020, on a encore l'intonation boisée de l'élevage bien sûr. Mais on a un nez d'une toute belle finesse, remarquable. En tout cas, c'est une belle façon de mémoriser ce cépage et son expression. Oui, le nez est fantastique. Alors en bouche, on a un beau gras, une belle onctuosité. On a juste ce qu'il faut d'acidité. On a un côté beurré comme ça qui reste en fin de bouche. On a ces arômes un peu poire, feuille à chair jaune qui viennent en rétro-olfaction. On a ce côté un peu cireux, des touches un peu florales. Donc on a vraiment un très beau vin d'expression avec une belle puissance. Au niveau des accords, c'est un vin qu'on pourrait accompagner de fromages tels un vieux comté par exemple, mais aussi des fromages fondus. Ça fonctionne aussi très très bien. On cherche souvent quel type de vin blanc boire avec des fromages fondus. Ceci, ça fonctionne très très bien. On pourrait aussi choisir de l'associer avec des poissons ou des poissons préparation corsée, un peu crémée, avec des notes un peu grillées ou meunières au niveau de la cuisson, avec des viandes blanches, pourquoi pas des volailles, du veau, si on fait une garniture un peu champignon ou un peu douce, ça peut être intéressant aussi. Donc il y a vraiment beaucoup d'applications pour cette cuvée 100% Marsan. En tout cas, je pense que c'est à découvrir pour l'expression de la Marsan et pour voir ce qu'on peut en faire quand on maîtrise tous les aspects. Bonne découverte.